Bonjour, aujourd'hui le troisième épisode de la malédiction, ou plutôt des malédictions du pétrole. Nous sommes en 1989, après un an après cette boucherie qu'a été la guerre Iran-Irak. Les deux pays sont complètement à plat, complètement. Leurs revenus du pétrole complètement anéantis par la guerre. Les Occidentaux, eux, se sont tournés vers les pétromonarchies du Golfe et ne s'approvisionnent plus auprès ni de l'Irak, ni de l'Iran, bien entendu, qui est maintenant sous sanctions internationales après la prise d'otages de l'ambassade américaine en Iran. Donc l'Iran est maintenant un État terroriste et l'Irak est complètement à plat. L'Irak, pour constituer et entretenir une armée aussi moderne et nombreuse, a dû emprunter des sommes considérables à l'étranger. L'un des principaux prêteurs est l'Arabie Saoudite. Juste après, on trouve le Koweït avec près de 15 milliards de dollars. Historiquement, le Koweït faisait partie d'une ancienne province de l'Empire ottoman appelée le Vilayet de Bassora. L'Empire ottoman, qui est le reliquat de l'ancien empire musulman, s'appuie géographiquement, certes, sur l'actuelle Turquie, mais aussi dispose de possessions sur l'actuelle Jordanie. Il redescend jusqu'au fond du golfe Persique, à savoir qu'il prend il prend pratiquement tout l'Irak sous son aile et une partie de l'Arabie saoudite. L'Irak, devenu indépendant en 1932 et se considérant comme l'héritier direct des valeurs et traditions de l'Empire ottoman démembré, réclame la possession de cette région dès 1933. En 1961, le Koweït devient un émirat, accède à l'indépendance et prend le contrôle des gisements pétrolifères. Immédiatement, l'Irak refuse de reconnaître l'indépendance du Koweït et masse des troupes à la frontière. L'opération d'invasion prévue échoue grâce à une rapide intervention britannique. 30 ans plus tard, en 1990, le Koweït, assis sur une manne pétrolière incroyable, est devenu une puissance économique de premier plan dans cette région du monde. C'est aussi un petit pays faiblement défendu, dont les richesses excitent la convoitise de son puissant voisin, l'Irak. Alors Saddam Hussein lorgne sur le Koweït, car le Koweït a été, depuis très longtemps, une revendication territoriale de l'Irak. Quand il s'est trouvé à la fin de la guerre, avec une économie en très mauvais état et des dettes très élevées, il a voulu vendre son pétrole très cher, alors que les autres pays arabes continuaient à produire et par conséquent les cours étaient bas. Et Saddam Hussein a accusé, en partie à juste titre, le Koweït de participer à l'effondrement des cours. L'Irak était quand même le seul pays du Moyen-Orient où la femme avait un statut assez respectable. Elle n'était pas obligée d'être voilée, elle n'était pas considérée comme une demi-mesure. En 1988, il se présente comme le vainqueur du conflit et comme le défenseur des nations arabes modernes face à l'intégrisme iranien. Arguant du fait qu'il s'est retrouvé en première ligne pour protéger ses voisins arabes, il réclame un rééchelonnement de sa dette et plus particulièrement l'annulation de l'emprunt de 15 milliards de dollars contracté auprès du Koweït. Le 23 février 1990 à Amman, lors d'un sommet diplomatique régional, le président irakien traite le Koweït et l'Arabie Saoudite en accusés. Il leur enjoint d'annuler la dette, 30 milliards de dollars, contractée auprès d'eux par l'Irak pendant sa guerre contre l'Iran, et leur réclame de surcroît un don équivalent, faute de quoi Il promet vraiment des représailles. Alors c'est toujours en 1990 que Saddam Hussein, président de l'Irak, demande une audience auprès de l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad. Alors c'est là où on peut se poser une question. Washington aurait-il volontairement poussé Saddam Hussein à la faute? Car Saddam voulait envahir le Koweït. Et l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad lui dit la chose suivante, je lis
les États-Unis ne souhaiteraient pas se mêler des disputes territoriales entre le Koweït et l'Irak. Ces mots ont semé le doute, évidemment. Ces signaux ambigus n'ont-ils pas poussé à faire croire à Saddam Hussein qu'il pouvait envahir l'Irak, sans risquer évidemment une vindicte américaine? Un jour, Saddam Hussein dit à Madame l'ambassadeur des États-Unis à Bagdad: « Que pensez-vous de ce problème entre nous ?» Et Madame l'ambassadeur rétorque: « Oh, mais nous, ça nous est complètement égal. » Ce qu'elle a fait savoir au président irakien, c'est que rien ne liait les États-Unis au Koweït en termes de partenariat militaire et stratégique. Et donc, à partir de là, si l'Irak venait à envahir le Koweït, les États-Unis considéraient que ce serait là une affaire purement interarabe, selon les termes de l'ambassadeur à l'époque. Koweït, à l'égard duquel il a toujours eu, et l'Irak a toujours eu d'une façon générale, des revendications d'ordre territorial, considérant qu'il s'agit d'une province perdue qui aurait gagné son indépendance en même temps que le retrait des Britanniques, un peu avant 1962. La machine infernale est en route. Saddam Hussein envahit le Koweït. Il faut encore ajouter à cela l'ambition personnelle du raïs Saddam Hussein, qui souhaite laisser à la postérité l'image d'un grand dirigeant arabe qui a fondé un nouveau grand État au Moyen-Orient. Sa conviction, c'était qu'avec la chute du mur de Berlin, on allait forcément évoluer vers un monde multipolaire. Et donc, que disait-il à ses homologues? Il leur disait: si on a un monde multipolaire, c'est un monde au sein duquel les Soviétiques vont s'affaiblir, mais également au sein duquel les Américains vont forcément s'affaiblir. Et c'est là qu'il a eu une erreur d'analyse. Mais donc, son aspiration, par extension, c'était de dire: ben, nous-mêmes, en tant qu'Arabes, il faut aussi qu'on fasse partie, qu'on constitue un pôle qui prévale dans ce monde multipolaire. L'ordre d'invasion du Koweït est alors donné à l'armée irakienne. Le 2 août 1990, vers 2h du matin, heure locale, les forces armées irakiennes franchissent la frontière et envahissent le Koweït. Mais tout d'abord, les premières images de Koweït City au moment de l'invasion irakienne. Jusqu'à présent, vous le savez, c'était un conflit à huis clos. Rien n'avait filtré sur les télévisions de l'opération militaire irakienne. Eh bien, voici ces premières images. Bruno Le Dreff. 170 000 soldats appuyés par une division blindée ont rapidement bousculé la petite armée koweïtienne. Elle comptait à peine 20 000 hommes. L'armée irakienne compte alors plus de 700 000 hommes, dont 140 000 forment la garde républicaine élite de Saddam Hussein. 2 800 chars de combat, 2 800 blindés divers et 1 900 pièces d'artillerie lourde. Elle dispose aussi d'une aviation nombreuse et assez moderne, environ 700 avions et 200 hélicoptères. Le 2 août 1990, à 6h du matin, à la demande du Koweït et des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, adopte à l'unanimité la résolution 660 qui exige le retrait inconditionnel des forces irakiennes du Koweït. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis décident le boycott financier et le gel des avoirs irakiens ainsi que le blocage des avoirs koweïtiens pour empêcher l'Irak de s'en saisir. Le 6 août 1990, la résolution 661 de l'ONU décide de mettre en place un embargo total contre l'Irak. Cette décision engendre immédiatement une situation de crise majeure. Possédant du pétrole brut, mais ne disposant pas de raffinerie, une grave pénurie de carburant touche rapidement le pays. De plus, l'exportation de pétrole brut étant l'une des principales sources de devises fortes, une crise financière se développe. 8 août 1990, l'opération Bouclier du désert, ou Desert Shield, commence. L'opération Bouclier du désert a, dans un premier temps, consisté à amener des troupes pour empêcher l'armée irakienne d'aller plus loin. Parce qu'on imaginait que Saddam Hussein puisse avoir un certain nombre de visées sur d'autres pays. Je vous rappelle que les puits de pétrole, les principaux puits de pétrole saoudiens, se trouvent juste au sud du Koweït. Gorbatchev, qui est encore à la tête de l'URSS, essaye d'approcher Saddam Hussein. Mais l'URSS n'a plus la force ni la volonté d'imposer au Conseil de sécurité une motion. L'URSS est finie et elle est à genoux. Après la chute du mur de Berlin, c'est fini. Les premiers avions gros porteurs américains arrivent à Dharan, en Arabie Saoudite, et commencent à décharger hommes et matériel. Le 25 août 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'emploi de la force pour faire respecter l'embargo.
Le 29 août, l'Irak annonce l'annexion définitive du Koweït, qui devient la 19e province irakienne. Alors, quant aux Français, ils n'oublient pas, eux aussi, qu'ils ont soutenu le dictateur irakien. Mais l'intransigeance de Saddam Hussein les pousse à soutenir Washington. Doit-on ou ne doit-on pas exécuter les résolutions conformes au droit international ? En pleine phase ascendante du conflit, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, démissionne de son poste pour marquer son opposition formelle à la participation de son pays dans la guerre du Golfe. Selon lui, un ministre s'afferme sa gueule ou ça démissionne. Alors un ultimatum est lancé, il finit le 15 janvier 1991, à minuit. Le 24 décembre 1990, Bagdad déclare qu'en cas de conflit, Israël sera son principal objectif. Le 9 janvier 1991, le Sénat américain autorise George Bush à lancer une opération militaire dans le Golfe. En France, le 16 janvier 1991 au matin, l'Assemblée nationale et le Sénat approuvent la décision de François Mitterrand d'intervenir militairement dans le Golfe. Les états-majors de la coalition vont largement surestimer la qualité des matériels irakiens et surtout le degré de combativité des troupes irakiennes. La garde républicaine de Saddam Hussein, notamment, est cataloguée comme une unité d'élite équipée des meilleurs matériels et considérée comme redoutable de par son entraînement et sa motivation. Tous les médias à l'époque présentaient l'armée irakienne comme étant la quatrième armée la plus puissante du monde. Donc dans ce contexte-là, Saddam Hussein avait toutes les raisons de se dire « Voilà, tout le monde va être dissuadé à mon encontre et personne n'osera s'en prendre à mes intérêts. » Pour Saddam Hussein, ses 5000 blindés et ses 700 000 fantassins, le Koweït est la 19e province de l'Irak. À 20h, François Mitterrand s'adresse aux Français. Depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. 17 janvier, Arabie Saoudite, base aérienne de Dharan. À 1h40, heure locale, c'est la première mission sur l'Irak. Les pilotes allument les turbines de leurs chasseurs-bombardiers F-15, F-16 et Tornado. Sous ses ailes, chaque appareil emporte plus de 12 tonnes de bombes. Les cibles ont été soigneusement repérées. Outre le palais présidentiel de Saddam, les centrales nucléaires, les usines chimiques, les centres de communication et les sites de lancement de missiles Scud. Objectifs qui, pour la plupart, sont concentrés sur Bagdad et sa banlieue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2 heures. Au large des côtes irakiennes, la flotte US lance des salves de missiles de croisière, les fameux Tomahawks. J'ai une communication du président à vous transmettre. La libération du Koweït a commencé. 2h40, à Bagdad, les batteries anti-aériennes déclenchent un feu d'enfer. C'est la panique. Les bombes à guidage laser larguées par les bombardiers US atteignent leur cible avec une précision qualifiée de chirurgicale. Un pilote US de retour de mission témoigne. C'était l'une des démonstrations de feux d'artifice les plus étonnantes depuis les fêtes du 4 juillet, il y a des années et des années. C'était fantastique. Bagdad était illuminé comme un arbre de Noël. Les États-Unis ont tiré une leçon de leurs aventures vietnamiennes. Nous, journalistes, quand nous étions au Vietnam, nous pouvions aller
où nous voulions. C'est ce que j'ai fait à chaque fois que je suis parti au Vietnam. Vous n'aviez qu'à dire, voilà, je veux aller sur tel front avec telle unité, vous y alliez. À partir de 1990, à partir de cette guerre du Golfe, ça a été fini. Le contrôle était total sur les informations. Et du côté de Saddam, on veut également visionner ce que vous avez fait comme film. Le contrôle de l'info est absolument total. Jamais aucune guerre n'a été autant couverte par les médias. Venus du monde entier, les journalistes couvrent en temps réel les différentes phases des opérations militaires. Le début de l'opération est lancé en direct sur CNN. Partout sur la planète sont diffusées les images, complaisamment fournies par les autorités américaines, des frappes chirurgicales, des bombardements et de la supériorité aérienne alliée. Avec le général Schwarzkopf et tout ça, ils faisaient faire des espèces de conférences de presse pour nous montrer les belles images. Les images de guerre, vous voyez, on a, regardez là, on est à Bagdad, ça tire et hop, good shot. Et là, les journalistes américains qui applaudissent, j'étais très choqué, on regardait ça comme une première de cinéma. Et bon, les journalistes français, heureusement, n'applaudissaient pas. L'opération Tempête du désert est en marche. Et rien ne pourra l'arrêter. Saddam nous a entraînés dans la guerre, nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons. Notre stratégie à l'égard de l'armée irakienne au Koweït est simple, nous allons la couper puis nous allons la tuer. Jihad, la guerre sainte. Dans tout le Maghreb, l'annonce du déclenchement de l'opération Tempête du désert soulève l'indignation et la fureur. En Algérie, des centaines de volontaires se présentent pour lutter aux côtés de Saddam Hussein. La haine de l'Occident monte. Saddam Hussein! Chikoul el Malikat! La mort à Mitterrand! Mort à Mitterrand! Mort à Mitterrand! Mort à Mitterrand! Il est mort de toute l'immigration en France! Il faut battre Mitterrand! Il faut battre l'armée française! À bas Mitterrand! Les forces aériennes françaises relèvent maintenant du commandement américain. Leur rôle est bien défini, bombarder à l'aube la base aérienne d'Al-Jaber au Koweït. Pour cette première mission française, 12 Jaguars sont armés. Des missiles à guidage laser et des bombes de 250 kg sont fixées sous les ailes. Heures. Dernier briefing. Le plan d'attaque a été minutieusement étudié. Chaque pilote connaît sa cible avec exactitude. Savent qu'ils auront affaire à une défense anti-aérienne importante. L'attaque se fera à basse altitude. Avant de décoller, chaque pilote vérifie lui-même son avion. Thank you.
menace avant pour Eros 01. Je suis perdu, Greg, à quelle distance? Je menace arrière aussi. « 18 janvier, Khafji, sur la frontière koweïto-saoudienne. Depuis la veille au matin, la ville est abandonnée. Cible de l'artillerie irakienne, la grande raffinerie est en flammes. Dans les rues désertes, des Marines US patrouillent. » Les bombardements alliés continuent avec la même intensité sur l'Irak et le Koweït. Tir quotidien de Tomahawks pour l'US Navy, et plus de 2000 sorties par jour pour les avions de combat de la coalition. C'est au total 1400 avions de combat US, du B-52 au F-117A invisible, qui décollent de 30 bases en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte, en Turquie, à Chypre, dans l'océan Indien, et de 6 porte-avions en mer Rouge et dans le Golfe. 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures, l'équivalent de ce que les Allemands recevaient en 15 jours durant la Seconde Guerre mondiale. La dernière offensive sera pour les premières lignes de défense irakiennes avant l'assaut terrestre. La coalition, c'est aussi les petits contingents, comme celui du Qatar. Ces hommes viennent d'un émirat du Golfe. Ils sont aujourd'hui stationnés à quelques kilomètres de la ville de Khafji, point de mire de l'artillerie irakienne depuis le début des hostilités. L'état-major des forces alliées a prévu de les engager aux côtés des Saoudiens dans les premiers combats terrestres. Politiquement, c'est aux forces arabes d'intervenir en premier. Les blindés saoudiens encerclent les positions irakiennes appuyées par les hélicoptères de combat américains. Ils ont pour mission de détruire les T-55 irakiens. Avec le soutien des Américains, il faudra plus de 48 heures pour reprendre la ville. Partout, les armées irakiennes fuient en désordre, malgré quelques tentatives de résistance de la garde républicaine. Plus de 400 chars irakiens sont détruits dans les deux premiers jours de combat. Le 25 février 1991, la débandade irakienne est totale. La division d'Aguet, en fer de lance du dispositif, a franchi plus de 150 km et se trouve à moins de 250 km de Bagdad. Les Marines sont, eux, aux portes de Kuwait City. Pour tenter de gêner l'aviation de la coalition et pour ruiner l'économie koweïtienne, les Irakiens incendient la plupart des puits de pétrole situés sur le territoire koweïtien. Le 26 février 1991, les Américains pilonnent les forces irakiennes en retraite sur la route de Bassora. Il y a eu une attaque de la coalition sur la route Kuwait City Bassora. Et nous, on a surnommé ça la route de la mort, tout simplement parce que en une demi-heure de temps, la coalition a bombardé, a tué 25 000 personnes sur cette route. C'était la punition ultime de la guerre du Golfe. Les avions américains ont strafé les longues files de gens, de civils, de militaires, qui se pressaient en dehors du Koweït pour fuir le Koweït vers l'Irak. On a appelé cette autoroute l'autoroute de la mort, et ce n'est pas pour rien. Cette action de l'armée américaine, et pour moi en tout cas, peut ressembler vraiment à un crime de guerre. Mais les armées occidentales s'arrêtent à la frontière irakienne.
car une révolte chiite vient d'éclater. Et on laisse Saddam s'en occuper. Un traité est rapidement signé entre la coalition occidentale et Saddam Hussein. Saddam Hussein, ensuite, mate la rébellion chiite. Le 28 février 1991, Américains et Irakiens acceptent le cessez-le-feu. La guerre du Golfe est terminée, le temps du bilan est arrivé. L'Irak annonce 20 000 morts et 60 000 blessés, tandis que la coalition alliée estime que les morts se comptent à plus de 100 000. Il faut ajouter à ces chiffres plus de 175 000 prisonniers. Les pertes civiles sont encore plus dures à chiffrer. Les sources citent environ 50 000 à 130 000 morts civiles. Du pays, les chiites entrent en rébellion contre Bagdad. Le lendemain, c'est au tour du Kurdistan de se soulever contre le pouvoir central irakien. Saddam Hussein, un temps mis en péril, va redresser la situation et écraser la rébellion dans le sang. Kurdes et Peshmerga vont payer le prix fort pour avoir cru que Saddam Hussein était à terre et qu'il était temps de tenter le combat de l'autonomie. À la fin du conflit, donc, les pétromonarchies, reconnaissantes, laissent le prix du pétrole au plus bas. Les pays arabes, désireux de faire rentrer des devises, continuent à surproduire. Reconnaissant, ils maintiennent les prix du baril de pétrole à un niveau particulièrement favorable à l'industrie américaine, grosse consommatrice de produits pétroliers. Bien, j'espère que vous avez aimé ce troisième épisode. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, et la semaine prochaine, le quatrième. Au revoir.